Il s'inquiète du nombre de rodéos sauvages. C'est le nom que l'on donne à ces courses clandestines qui rassemblent chaque vendredi soir des bolides un peu partout en France à près de 200 km/h. Ces véritables fous du volant mettent en danger la vie des autres conducteurs. C'est l'enquête du 20h, signée Dominique Lagrousse-Ampère, Jean-Étienne Mac et Sylvain Roland. Mettre de front, regarde, ils vont se mettre côte à côte, ça y est. Ouais, c'est bon. Ça commence. Quand je suis au volant, je ne fais plus qu'un avec ma voiture. Le moteur, on est en liaison permanente, on la vit, on la sent, on sent l'accélération. Regarde, le mec, comment il le passe. Il est en train de faire un bouchon. Ces rodéos peuvent être mortels. En 98, une famille entière est décimée sur l'autoroute A. Ils sont tous là, Annick et ses trois enfants qui sont morts tragiquement une nuit du 10 juillet 1998. Annick Brochant avait 37 ans, Julie, Alan et William, 16 ans, 4 ans et 16 mois. Tous les quatre brûlés vifs dans leur voiture. Du rodéo sauvage, des runs. En fait, ce sont ces courses-poursuites entre voitures à pleine vitesse, de préférence la nuit, quand la circulation sur l'autoroute est moins dense. On va voir. Est-ce qu'ils se sont réveillés ? Il faut encore dodo. Il faut encore dodo ? Partie du rassemblement. Ils écoutent la musique à fond. Donc ils ne nous entendront pas. Et au bout d'un moment, ils vont se diriger, ils vont sortir par là, par la série de ronds-points. Et ils vont aller enquiller l'autoroute comme ça. Depuis un an, la police a déployé les gros moyens, à terre et dans les airs, en liaison radio constante. L'opérateur caméra dans l'hélicoptère, un brigadier de police capable de zoomer et de lire une plaque d'immatriculation à 300 mètres d'altitude. Mais devant, ça y est, il se met devant. Oui, ta plaque, on la voit bien. 145. Au sol, ce soir-là, sur le parking d'un centre commercial en banlieue parisienne, une cinquantaine de voitures attendent un signal. Ça y est, ça part, la Porsche part. C'est ainsi tous les vendredis soirs sur des routes en France, comme l'autoroute A1. Ah, ils sont forts, hein, ils vont fort. Ils arrivent à 170, là, en 80, là. Et on les rattrape pas. Cette même autoroute où ont péri la mère de famille et ses trois enfants. Et tu vois, ils ralentissent de nouveau, les deux qui sont devant. Ils sont en train de faire un bouchon. Et ils vont repartir ensemble, après. Voilà, ça y est. Tu vois, ils sont regroupés, là. Ils sont 5, là. Ils sont quasiment à l'arrêt, là. Ouais, ils sont 5, là. Et ça repart. Pour les adeptes des runs, un terrain de jeu et un sentiment d'impunité. Quand on est deux sur une trois voies sur l'autoroute, et qu'il n'y a personne sur la route, on risque rien. Hein, la voiture, elle est sur sa file de circulation, il n'y a personne devant, personne à côté, ou à part le mec qui veut faire la course avec vous. On trace, donc on n'a aucun risque. Fin de la course ce soir-là à la sortie de route. Et derrière le bus. Sa fille. Derrière le bus. Tu peux avoir Jeanne. Donc on arrive, il y en a deux qui sont passés sur le rond-point. Donc pour dire que ça va très très vite. Ouais, elle est là, notre Porsche rouge, notre Boxster. Ouais. Devant les CRS, le conducteur tente une explication indignée. Face à la caméra, il nie toute implication. J'étais au milieu de la circulation parmi tant d'autres voitures. Et apparemment, je faisais partie d'un run en fait. C'est ça, hein. Un run, voilà. J'ai pas plus d'explications, donc là je vais me faire embarquer, ma voiture va rester là. Donc, sans explication, hein, bien sûr. Il est bien dans le fichier. C'est là, c'est le cas de l'hélicoptère. La confirmation par l'équipage embarqué sur l'hélicoptère. Donc là, c'est irréfutable. Donc, il peut se mettre en colère, mais nous, on est sûr de ce qu'il a fait. Trois voitures vont être escortées jusqu'au commissariat. Vitesse estimée, 180 km/h. Les conducteurs risquent jusqu'à un an de prison. Quant aux quatre jeunes chauffards qui ont provoqué la mort d'Annick Brochant et de ses enfants, ils ont été condamnés pour homicide involontaire à 5 ans de prison, dont 2 fermes. Ça, c'est la musique de quoi ? Le dialogue a repris chez Caterpillar à Grenoble. Les dirigeants retenus pendant plus de 24 heures ont été libérés ce matin sous les huées des salariés. Ces derniers ont été entendus. Nicolas Sarkozy a promis que le site menacé par la suppression serait sauvé. Le parquet de Paris a ouvert une enquête sur les conditions de la nomination de François Pérol à la tête du groupe Caisse d'Épargne Banque Populaire. Cette enquête fait suite à 2 plaintes pour prise d'intérêt illégale déposées par 2 associations.